Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous pouvez le voir du coup juste ici. On est sur un petit unboxing, et oui, petit unboxing, qui d'ailleurs est en live, c'est magnifique, mais il est en live les amis. Petit unboxing avec nos magnifiques 3 caméras, si j'arrive à appuyer sur le bon bouton, ce sera mieux. Donc nous sommes en live sur twitch.tv/fostudio, n'hésitez pas à y aller, hein, on n'oublie pas. Donc voilà, petit unboxing aujourd'hui, on va s'unboxer le petit microphone SM7B. Voilà, c'est spoil et tout, bon vous verrez pas beaucoup, mais hein, voilà. Coucou YouTube, ah bah y'a Kono qui vous dit bonjour les amis, voilà. Bon allez, c'est parti, moi j'en ai marre d'attendre, je veux unboxer ce produit. Alors évidemment nous avons du scotch juste en fait. Bon attendez, je vais quand même montrer la vraie caméra. Là, voilà, on a du scotch juste ici, regardez les amis, là, voilà. Bon ici il y a du scotch. Vous me connaissez pas, et bah bienvenue. Moi je m'appelle Maxime Le Bourring. Yes. Non je rigole, on va y aller propre. Je dis ça alors que je galère. En fait, je suis con, il n'y a peut-être pas besoin de ciseaux, en fait. Ah, ils ont quand même bourré les couches, hein, si petits. Eh, c'est propre, en vrai. Attends, c'est bon, il y a encore une autre couche. C'est une blague, ils ont mis combien de couches? Ah, par contre, c'est de la merde, leur plastique. Non, sur YouTube, venez sur Twitch, on va bien rigoler tous ensemble. Mais oui! Viendez voir d'autres unboxings! Bon, c'est l'unboxing de à l'arrache, vous connaissez? Bon du coup si j'ai bien compris j'enlève la première couche. Ah bah non il y en a deux. Il y en a qu'une en fait. Mais c'est quoi ce bordel? Comment il me l'a emballé? Peut-être bien vous montrer quand même parce que c'est un peu le but que vous voyez. Hein. Hop. Voilà. J'essaye du coup de faire tout le tour. Voilà. J'avoue que je sais pas trop ce que je déchire donc c'est magnifique. Faut viendre sur Twitch, exactement, faut viendre sur Twitch. Attendez parce que vous voyez pas. On voit tout sur le setup des 3 cams. Oh ça me saoule le plastoc hein. Hop là. Voilà. Oh il y a un petit cadeau. Il fallait pas les amis. Hop là. Oh bah c'est gentil. J'ai des petits cadeaux. Attendez vous voyez pas. J'ai un petit cadeau. Regardez j'ai un petit cadeau. Voilà comme ça vous voyez bien. C'est un petit cadeau de quoi? Ah bah c'est des petits cadeaux sur tout et n'importe quoi. Ah c'est vraiment cool, putain, je savais pas qu'ils faisaient ça. Donc je l'ai acheté sur Woodbrass, comme ça vous êtes au courant. Et il te file comment on pourrait appeler ça? Un petit shaker, un petit truc comme ça. Passons à autre chose, on s'en fout de ça. Passons à la chose qui nous régale le plus. Ah non, on voit pas sur cette caméra. Cette caméra sera mieux. Le SM7B les amis. Comme ça, regardez. Ah. Voilà, donc le Shure SM7B. Attends, comment c'est comme ça? Je vais essayer de le montrer sur différentes caméras, et puis histoire que vous puissiez bien le voir de toutes les manières possibles et inimaginables. Hein. Et puis évidemment YouTube. Hein. Voilà. Bon, alors, comment on va l'unboxer maintenant? Bon, par contre, il est un petit peu pris cher. Hein. Si on regarde bien ici, il a pris un peu cher. Hop, je vais vous mettre cette vue-là. Vous me dites hein, déjà, les amis, hein, comment vous aimez le live ou pas. Alors comment ça marche maintenant? Parce que j'ai tellement pas envie d'enlever ça. Ah ok, ça se pousse. Les gars, on a dit ça se poussait, on n'a pas dit... hein. Ok, bon, on a sure, évidemment. Là, il y a un petit truc que je vais m'empresser de couper proprement. Parce que là, on rigole pas, les amis. Maintenant, on fait de l'unboxing propre, hein, attendez. On est pro ou on l'est pas? On l'est pas en l'occurrence, mais on fait genre. Hop. Oh, il y a plein de petits trucs. Alors, unboxing surprise. Donc, dans cet emballage, nous avons le magnifique autocollant Shure. Hop, vous voyez bien là. Shure. Et je peux vous le montrer ici aussi. Bon, alors, on a du plastoc, on a évidemment des guides, nanana, qu'est-ce qu'il raconte là? Donc, on a le magnifique bousin, hein. Parce que c'est, on a du bousin, on a du chinois. Ah c'est intéressant ma foi, du chinois. Sympa les amis, regardez-moi ça. Regardez, on a du chinois. Je sais pas le lire, mais c'est pas grave. Ok, bon qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le magnifique livre de Shure, évidemment. Et bon bah là c'est toutes les instructions pour avoir le son, nanana.
Il nous explique évidemment comment on l'installe. Bon, du coup, on continue l'unboxing, évidemment. Donc, on va enlever ça. Ah, du polystyrène de partout. On a évidemment un petit velcro sur. Tous 4 pouces. Hein. Voilà. Et puis, évidemment, hein, le gros bousing. Hein, celui qu'on attend. J'ose tellement pas le prendre, tellement il est beau. Oh la vache, il pèse son poids. Ah ouais. Wow, il est lourd de ouf. Wow, il est lourd de ouf. Ah ouais, c'est pas le Blue Yeti, hein. Ah ouais. Oh, ça rigole pas. J'ai tout défoncé. On a la petite bonnette, et bah oui. Parce qu'en fait, le SM7B, il est équipé d'une petite bonnette. Si on le veut en tout cas, parce que clairement, je doute qu'elle va me servir. Allez, dégage le Blue Yeti, fais de la place. J'ai El Famoso. Rod PSA. Voilà. Donc, voilà pourquoi le Blue Yeti traîne à côté. Donc, bon, bah, la boîte s'est fait déjà. Bye bye le Blue Yeti. Yep. Alors, qui c'est qui le veut, je le donne. Non, je déconne. Je déconne. Alors, du coup, on va s'empresser de... Alors, par contre... c'est un peu bâtard parce qu'il n'y a pas de câble XLR. Yes, il n'y a pas... Waouh. Ah ouais. J'ai vraiment acheté le SM7B là, je ne me rends pas compte. Ah oui, yes. Ok.